Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et vous parler de Odious, tout simplement une nouvelle plateforme libre de du upload de son tout simplement qui est sorti, qui s'est créé il y a 2-3 ans maintenant et qui est tout simplement basé sur le système de la blockchain, d'accord? Donc cette plateforme, je trouve qu'elle est vraiment très sympa dans le sens où on a un design ultra cool. C'est un peu comme SoundCloud, d'accord, pour comparer, c'est-à-dire que vous allez avoir tout simplement un feed avec les sons des artistes que vous suivez qui apparaissent. Vous allez pouvoir écouter le son. Vous allez pouvoir en bas un petit peu modifier, enfin choisir à quel moment de la musique vous voulez écouter. Vous avez un player, quoi. Un player de musique, le son. Vous pouvez riposter. C'est exactement un petit peu le même design que SoundCloud. Vous avez bien sûr votre profil, d'accord? Votre profil dans lequel vous pouvez personnaliser votre page, votre photo, votre photo de couverture, votre bio, mettre tous vos liens, etc., etc. Et vous allez pouvoir aussi uploader tout votre catalogue de sons, d'accord? Si je fais upload track, voilà, vous pouvez uploader votre track et choisir tout simplement, hop là, si je vais sur un track, choisir eh bien le genre, le mood, d'accord, et mettre aussi une petite description, mettre des petits hashtags histoire d'être aussi un peu référencé dans la plateforme. En termes de la qualité audio de la plateforme, je trouve que c'est plutôt correct pour ce qu'il nous propose. C'est vraiment un SoundCloud bis version blockchain. Donc moi, par rapport à mon avis d'audio, c'est que c'est une plateforme assez intéressante qu'il faut que vous ajoutiez à votre liste de plateformes auxquelles il faut que votre musique soit. Comme je vous rappelle, et je le rappelle à beaucoup d'artistes qui m'envoient aussi des messages, plus votre musique sera sur le plus de plateformes possible, mieux c'est. Il y a des artistes des fois qui me disent, oui, est-ce que je mets aussi sur YouTube Musique ou est-ce que je laisse que sur YouTube? Les deux, je leur dis, vous faites les deux. On s'en fout s'il y aura plus de vues sur YouTube Musique ou plus de vues sur YouTube normal. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que votre musique, elle soit partout. D'accord? Donc, Odious, je vous invite à ajouter cette plateforme tout simplement dans votre liste de plateformes auxquelles votre catalogue doit figurer, votre catalogue de musique. D'accord? Et ça vous permettra de, voilà, de si jamais cette plateforme pète, d'être déjà dessus. Ok? Par rapport aux artistes qui ont déjà uploadé, c'est que c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des gros artistes qui feed hein, la plateforme. Par exemple, Skrillex, il a déjà créé son compte et tout, il a déjà sorti Clipton Emperor. Un petit track, il y a Z aussi qui avait investi dedans. Voilà, donc c'est une plateforme où les gros artistes de l'industrie croient en cette plateforme. Voilà, et après, tu as tout un tas aussi d'artistes de niche qui sont dessus. Hein. Tu en as même qui uploadent plus sur SoundCloud, mais qui se font découvrir directement sur Odious. Donc, il y a une certaine fanbase sur Odious qui est assez sympa. Ça peut vous permettre aussi de pourquoi pas, d'aller toucher de nouveaux. T'as même Petit Biscuit qui y est, d'aller toucher de nouveau un nouveau public. Tu vois qu'il a mis son petit Sunset Lover, le classique. Ouais, tu vois, même Petit Biscuit a uploadé son catalogue. Donc ça veut dire que c'est une plateforme à ajouter, encore une fois, comme je vous dis, à votre liste de plateformes sur lesquelles votre catalogue doit figurer. Voilà un petit peu pour mon avis. Je pense que ça a plutôt un bon potentiel. On va parler du coup maintenant de la méthode de rémunération de cette plateforme. Cette plateforme, tout simplement, a inventé sa propre crypto, le dollar audio, qui est à, du coup, je vais vous montrer ça, un dollar audio est à 0,33 centimes à peu près. D'accord? Donc c'est clairement beaucoup plus que une écoute à 0,0038 chez Spotify, d'accord? C'est clairement beaucoup plus avantageux. Le problème maintenant, ça a été que voilà, il y a eu beaucoup de personnes ont cru en la plateforme en 2021. Et c'est vrai que depuis le 28-03-2021, on n'a plus eu ce pic-là qui était monté assez haut. Check, 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 ça a baissé, 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 baissé. Là, on est même passé dans le rouge. Donc c'est un peu dommage, ça, il y avait un bon start pour cette plateforme, mais après, les gens n'ont plus trop cru, je ne sais pas pourquoi. Spotify a encore, je pense, de belles années devant eux, mais bon, c'est vrai que leur rémunération aujourd'hui, c'est des cacahuètes hein, sur Spotify. C'est pas très cool pour les petits artistes. C'est cool pour les gros artistes qui prennent tout le cake, ça c'est sûr, mais pour les petits artistes qui mangent des miettes, c'est pas ouf. Donc voilà, le dollar audio, tout simplement, plus les gens vont écouter votre musique, plus vous toucherez des revenus, d'accord?
Et tout simplement, vous pouvez aussi toucher quelques revenus en faisant la promotion d'Odus. C'est ce que je suis en train de faire, par exemple. Inviter des amis à rejoindre Upload 3 Track, compléter votre profil, etc. Vous allez avoir des petits, ils ont des petits comme ça, des petits trucs pour vous gagner des dollars audio, du coup. Et voilà. Voilà pour un petit peu mon avis sur Odus. Je vais pas en dire plus. À vous de faire votre propre avis. Je vous mets le lien juste en dessous si vous passez par mon lien. Moi, je touche, comme je vous ai dit, un petit dollar audio là. Ça permet de supporter la chaîne. Et tout simplement, je vous invite à mettre votre catalogue sur cette plateforme aussi parce que bah, du coup, on ne sait pas. Alors, franchement, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve par rapport aux plateformes de streaming. Et on ne sait pas surtout quelle plateforme sera leader dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc autant être partout. Comme ça, on anticipe. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.